Voici des lancers de dés. À chaque fois que je les lance, on est tenté de penser que le résultat sera totalement le fruit du hasard. Pourtant, il n'en est rien. Il est défini par un certain nombre de paramètres. Mon lancer avec la position des dés dans ma main, la vitesse donnée aux dés, etc., etc. Et en théorie, si je reproduisais exactement le même lancer avec exactement les mêmes paramètres, on tomberait à coup sûr sur le même résultat. C'est en réalité le fait qu'on ne maîtrise pas ces paramètres qui va créer ce hasard, mais qui est donc une illusion. Si on se met sur l'informatique maintenant, là où on contrôle absolument chaque élément, est-il possible de laisser une part au hasard et donc par exemple de tirer réellement aléatoirement le gagnant d'un concours sur Twitter avec un logiciel tiers par exemple? Eh bien, spoiler alerte, c'est impossible. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui, eh bien je vais vous révéler la formule secrète pour pouvoir gagner tous les concours sur Twitter à tous les coups, où le hasard est finalement de mise alors qu'il n'existe pas. Mais avant de parler de tout ça, on va déjà essayer de définir ce qu'est le hasard. Durant cette vidéo, on va en particulier parler des nombres aléatoires, car finalement en informatique ou même dans la réalité, on peut tout représenter par des nombres, que ce soit du coup une position dans l'espace avec des coordonnées, une durée ou bien même le nombre de protons dans le noyau d'un atome. Car même si la notion d'aléatoire parle à tout le monde, ça n'est pas forcément évident pour autant d'en donner les critères. Pour qu'on dise d'un nombre qu'il est aléatoire, on peut donner deux grandes règles. La première concerne ce qu'on appelle la distribution tout simplement. Et on va reprendre notre copain le dé à 6 faces ici pour illustrer cette règle là. Disons qu'on fasse 6000 lancers de dés avec ça, et bien en gros on va avoir 1000 fois 1, 1000 fois 2, etc, etc. Autrement dit, sur un grand nombre de générations du nombre aléatoire, donc du coup sur un grand nombre de lancers dans le cas du dé, tous les cas doivent avoir la même probabilité d'arriver. Enfin, avec un dé normal, ça sera bien le cas. Et si ça vous amuse pour tenter l'expérience, eh bien je vous laisse passer une journée à lancer des dés et à noter tous les résultats. Mais en principe, vous obtiendrez en gros les mêmes proportions pour tous les cas. Et au plus le nombre de lancers est élevé, au plus ces proportions devraient normalement se rapprocher. Enfin, tout ça c'est bien sûr en partant du principe que votre dé est un dé parfait, ce qui en fait est peu probable. Alors je dis pas que vous avez des dés pipés à tire-larigot chez vous, mais en fait si, et ça sans le savoir. En réalité, rien que les trous que l'on trouve sur toutes les faces de notre dé vont influencer le résultat de ce dernier. A cause de ces trous, le dé n'est en fait pas symétrique, la somme des faces opposées d'un dé est toujours égale à 7, ce qui signifie qu'en face de la face qui a le moins de trous, le 1 donc, eh bien on trouve la face qui en a le plus, soit le 6. Le dé aura donc plus de chances de s'arrêter avec la face la plus lourde en dessous et donc de faire un 6. C'est pour cette raison que les dés professionnels comme ceux utilisés dans les casinos sont percés pour marquer la valeur. Puis les trous sont remplis avec une matière qui a la même densité que le reste du dé pour rétablir l'équilibre. Mais bon, ne devenez pas parano non plus, la différence est bien là, ok, mais elle reste quand même sacrément minime. Mais elle existe. Seulement, ça n'est pas la seule cause qui peut biaiser un lancer. Le lancer en lui-même peut influer sur le résultat. On sait tous que tous les lancers ne se valent pas. Par exemple, si je lance le dé comme ça, oh, trop bien, j'ai fait un 6, génial. Mais pour autant, je suis sûr que si on était dans une vraie partie, les autres joueurs se seraient empressés de me faire avaler ce dé en question en signe de mécontentement. Alors d'accord, dans ce cas-là, j'exagère un peu, mais il est quand même possible d'influer sur le résultat, surtout avec un petit peu de pratique. Ah oui, là c'est flag, mais il y a moyen de le faire de manière beaucoup moins flag. C'est plus facile à expliquer avec une pièce, mais l'idée reste la même. On va simplifier un lancer à deux choses. La vitesse à laquelle la pièce est lancée, vers le haut donc, normalement, et la vitesse à laquelle elle va tourner sur elle-même. Imaginez que vous arriviez à lancer la pièce, mais sans la faire tourner, eh bien elle arrivera forcément sur la même face. Alors oui, vous allez me dire que peut-être c'est trop grillé comme technique, mais si je vous disais qu'avec un peu d'entraînement, il est carrément possible de faire tourner la pièce sans compromettre la prédiction du résultat. En fait, pour ça, le truc c'est d'incliner la pièce et de la faire tourner d'une façon qui garde la même face vers le haut en permanence, comme expliqué dans cette vidéo de Mark Rober. D'ailleurs, une étude poussée sur la question a fait ressortir qu'en moyenne, les lancers analysés ont fini à 51% sur la même face. Alors oui, moi si je fais 3 lancers et que je fais 2 fois pile et une fois face, je peux dire que j'ai eu 2 fois plus de pile que de face, mais c'est juste par manque de lancers. Mais dans l'étude en question, le nombre de sujets analysés est tel qu'on peut affirmer que ce 1% supplémentaire n'est finalement pas dû au hasard. L'interprétation qui en était faite est que les lancers que l'on fait ne sont tout simplement pas parfaits, ils sont en fait légèrement biaisés. Et c'est donc pour cette raison que dans les jeux de dés, on préférera faire rouler les dés dans un gobelet opaque par exemple, ou même juste dans nos mains, afin de minimiser le biais lié au lancer. L'avantage du gobelet, c'est que ça peut rassurer les autres joueurs qui vont entendre le dé taper les parois, ce qui montre que vous ne faites pas juste semblant de secouer. Bref, tout ça pour dire qu'un lancer de dés ou de pièces n'est pas aussi aléatoire que l'on pourrait croire. Car tout ce dont on vient de parler, ça concerne donc la distribution des probabilités, qui est donc le premier critère pour dire d'un nombre qu'il est aléatoire. Mais même si ça peut paraître suffisant, eh bien en fait ça ne l'est pas. Bon, ok, c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi le rapport avec le thème de ma chaîne? Car ouais, ok, Techmaker, je rappelle, abonnez-vous, la cloche, tout ça. Eh bien, c'est que le hasard est utilisé aussi en informatique, sauf que ça bloquera forcément à un endroit. Si vous me payez pour que je développe un générateur de nombres aléatoires entre 1 et 100, et que la seule chose que vous spécifiez, c'est qu'il doit avoir une
distribution de probabilité égale pour tous les cas et qu'au moment de tester bah, tout ça, vous vous rendez compte qu'il ne fait que donner des nombres dans l'ordre, donc bah, 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à 100 et qu'il recommence, bah, vous allez finalement trouver ces lancers aussi claqués que bah, celui de tout à l'heure où je fais que poser le dé dans ma main. Pourtant, si vous faites le compte, bah, sur 1 million de tirages, vous aurez bien exactement 10 000 fois 1, 10 000 fois 2, etc., etc. Tout ce que vous avez demandé finalement. Pourtant, c'est évident que ces nombres ne sont pas aléatoires. À la limite, si on le laisse tourner sans le voir et qu'on arrive en cours de route, bien on pourra avoir un nombre à peu près au hasard. Mais bon, c'est quand même pas très très pratique. Et en soi, est-ce qu'on peut réellement considérer ça comme de l'aléatoire? Parce que ben, peut-être qu'il y aura un truc qui nous dira de nous arrêter à ce moment-là. Qu'est-ce qui nous manquerait alors? Eh bien, il suffit en fait d'ajouter une règle toute simple. Si on est capable de deviner le nombre qui va être tiré, eh bien c'est parce qu'en fait il dépend du nombre qui a été choisi précédemment. Si on vient donc de sortir 42, on sait que ce sera 42 plus 1 qui va sortir après, et donc 43. La règle à ajouter est donc que les nombres tirés ne doivent d'aucune façon dépendre des nombres précédemment tirés. Et juste en ajoutant cette règle, eh bien on arrive à ce que l'on connaît comme un nombre aléatoire. Sauf que bah, le truc, c'est qu'arriver à faire ça avec uniquement un ordinateur, bah, c'est tout simplement impossible. En effet, un ordinateur ne fait finalement que réaliser des calculs, ou plutôt des opérations dont le résultat ne dépend que de l'entrée. Par exemple, 2 plus 2, ça fera toujours 4, quelles que soient les conditions extérieures ou n'importe quoi. Que ça fait 4 points. L'ordinateur va réaliser des opérations plus complexes à une vitesse incroyable, certes, mais le principe reste valable et il restera logique. En connaissant les entrées, on connaît donc les sorties. C'est aussi pour ça qu'un lancer de dés n'est pas, bah, du coup, vraiment aléatoire au sens propre du terme, parce que si on avait toutes les coordonnées, un truc que pourrait avoir un ordinateur, bah oui, ce serait logique, et du coup, on aurait tout ce qui est vitesse, rotation, frottement, etc. Il est tout à fait possible de connaître donc le résultat à l'aide de calculs. Ce qui fait qu'il va nous paraître aléatoire, c'est le fait qu'on ne maîtrise pas ses conditions initiales. Autrement dit, le fait qu'on n'est pas capable de donner précisément une vitesse exacte au dé par exemple. Sauf qu'un ordinateur, bah, faire quelque chose d'imprécis, il n'en est absolument pas capable. Une même opération réalisée par un ordinateur 1 million de fois, aussi complexe soit-elle, produira toujours le même résultat. C'est la raison pour laquelle ont été créés des algorithmes capables de générer des suites de nombres qui, bah, du coup, ne sont pas aléatoires, mais qui en ont sacrément l'air. Et donc oui, elles ne sont pas aléatoires car elles proviennent d'un algorithme, mais en fait, elles en ont toutes les caractéristiques, ou en tout cas, bah, elles s'en approchent fortement. C'est ce qu'on appelle des générateurs de nombres pseudo-aléatoires. L'exemple le plus simple d'algorithme permettant de générer ce genre de nombre est la méthode de Von Neumann. En gros, vous prenez un nombre au hasard, disons, bah, du coup, 4 chiffres, par exemple 1, 2, 3, 4, le code d'iPhone de beaucoup d'entre vous, vous calculez ce nombre au carré et vous prenez les chiffres du milieu de ce nombre. Donc 12, 34 au carré, ça fait 15, 22, 756. Donc on va prendre les 4 chiffres du milieu, soit le nombre 22, 75. C'est notre nombre pseudo-aléatoire. Ensuite, on se sert de ce même nombre pour recommencer, et ça indéfiniment. Cette méthode fonctionne, mais elle pose quand même quelques problèmes. Le premier, c'est qu'il nous faut un nombre pour commencer. Et avoir besoin d'un nombre aléatoire pour générer des nombres aléatoires, bah c'est pas forcément super pratique. Mais bon, ça on va en reparler un petit peu plus tard. Un autre problème, c'est qu'on va forcément à un moment ou à un autre se retrouver dans un cycle et du coup dans une boucle. Si on trouve deux fois le même nombre, on sera forcément bloqué. Je vais dire n'importe quoi, mais imaginons qu'avec cette méthode, en commençant par 2020, on se retrouve après 20 tirages avec la même valeur 2020. C'est pas le cas avec cette valeur précise, d'accord, mais imaginons. Et bien maintenant qu'on est revenu à 2020, on connaît donc la suite vu qu'on l'a déjà calculé une fois et qu'on sait qu'après 20 nouveaux tirages, et bien on sera de nouveau à cette même valeur. C'est ce qu'on appelle la périodicité. Et ça, ben on n'en veut pas. La solution à ça est d'utiliser des nombres qui sont tellement grands que le temps qu'un cycle recommence, ben on serait déjà tous morts. Autre problème, si à un moment on arrive sur le nombre 0, bah on y restera bloqué pour toujours, parce que 0 au carré, ça fait 0, et ainsi de suite. Ce genre d'algorithme peut quand même suffire dans bien des cas, mais il reste quand même quelques problèmes assez importants, le principal étant qu'avec un tirage comme ça, on est capable de connaître le résultat bah, du tirage suivant. Et pour tout ce qui concerne la sécurité par exemple, bah c'est un petit peu une catastrophe. Et on se dit, mais qui va s'embêter à essayer de calculer des suites pareilles? Bah, beaucoup de monde en fait, genre pour gagner des tirages au sort. Et bah on ne parle pas de la kermesse de l'école primaire ici pour récupérer un Bob cochonou, hein, mais bien du vrai loto des familles. Le nombre d'exemples de gagnants du loto en calculant tout ça est vraiment nombreux et parfois assez récent, comme Stéphane Mandel, un économiste qui a gagné 14 fois à la loterie. Ouais, pas mal de chance quoi. Hein. Ou alors bah, il a vraiment un big brain. Des 27 millions de dollars gagnés par un couple ici, ou encore deux tirages gagnants par là par un gars qui bosse bah, dans la sécurité de la loterie.
Ouais, plutôt cocasse ça quand même. Mais en soi, bon, pour le dernier, j'avoue qu'il y a quand même un petit conflit d'intérêts. Mais pour les autres, bah, est-ce que c'est vraiment de leur faute si le résultat peut être prédit? Ok, il faut un QI au-delà de 9000 pour pouvoir le faire, mais donc, bah, c'est pas impossible. Et donc, bah, pour revenir sur le cas de Twitter, ce serait carrément possible, si on arrive à trouver la suite ou même le système de comment ça fonctionne, de prédire des résultats. Bon, vous empressez pas non plus à participer à tous les concours que vous voyez, parce que je vais pas non plus vous donner la technique secrète pour les gagner. Car finalement, dans ces cas-là, bah, on connaît pas vraiment comment ça fonctionne en interne, mais si on le savait, bah, y aurait possibilité de le prédire. Et encore, faudrait que ce soit avec un algorithme qui est assez peu efficace comme on a pu voir avant. Mais c'est donc pas impossible. Le truc, c'est qu'au plus on veut se rapprocher d'un vrai nombre aléatoire, au plus les ressources nécessaires sont élevées. Que ça soit au niveau de la mémoire ou du temps de calcul. C'est pourquoi il n'y a pas un seul bon algorithme pour générer ces nombres, mais tout un tas. Avec chacun leurs avantages et donc bah, leurs inconvénients. Il existe aussi une catégorie assez particulière, les générateurs de nombres pseudo-aléatoires cryptographiques qui sont capables de sortir des nombres suffisamment proches de l'aléatoire et suffisamment imprédictibles, même en connaissant les valeurs sorties précédemment. Ces derniers vont être utilisés par exemple dans tout ce qui est chiffrement de données. Mais même les meilleurs algorithmes ne sont du coup bah, pas vraiment aléatoires, mais seulement pseudo-aléatoires. Enfin, j'en parlais tout à l'heure, il nous faut toujours une valeur pour commencer, et si cette valeur de départ est la même, alors bah, la séquence sera la même. On appelle cette valeur le seed, et si vous avez déjà joué à Minecraft, vous savez ce que c'est un seed, et vous avez sûrement remarqué ça à la création d'une nouvelle carte. Et c'est cette valeur qui va être utilisée pour la génération aléatoire, ou plutôt encore une fois, pseudo-aléatoire de la carte. Et si demain vous allez sur l'ordinateur de votre pote et que vous créez une nouvelle carte avec le même seed, eh bien vous aurez exactement la même carte. Pour déterminer ce seed, il existe donc plusieurs solutions. Par exemple, imaginons qu'on ait un site web qui génère des nombres aléatoires. Pour éviter d'avoir toujours la même séquence quand on ouvre le site, on peut utiliser comme seed l'heure à laquelle le site a été ouvert, à la milliseconde près. Dans ce cas-là, c'est largement suffisant car ça n'est pas critique. Cependant, il existe d'autres solutions pour obtenir de vrais nombres aléatoires. Vous vous souvenez en début de vidéo quand je vous disais qu'il était impossible d'obtenir ce genre de nombre avec uniquement un ordinateur? Eh bien, je n'avais pas choisi mes mots au hasard car en effet, il est possible d'obtenir un nombre aléatoire à l'aide de périphériques spécialement conçus pour cette fonction. On appelle ça les générateurs de nombres aléatoires matériels. Et ils vont utiliser des phénomènes physiques, comme par exemple la désintégration d'éléments radioactifs qui a lieu de manière aléatoire. Ou encore des phénomènes quantiques que je ne vais pas faire semblant de comprendre parce que c'est pas le cas, mais en tout cas, bah là c'est vraiment aléatoire. Ces générateurs peuvent être utilisés à eux seuls, ou bien juste servir à déterminer un seed pour les algorithmes dont on a parlé précédemment. Par exemple, le site random.org utilise des récepteurs radio pour générer des nombres aléatoires à partir du bruit reçu sur des fréquences non utilisées. Ce bruit provient en partie de ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Et je vais pas rentrer dans les détails ici, mais en gros, bah ça vient de l'espace, et c'est super intéressant, mais c'est pas le sujet. Un problème évident à cette solution, c'est que n'importe qui pourrait émettre sur la fréquence utilisée par les récepteurs, et même si on ne sait pas où sont les récepteurs, ni sur quelle fréquence, bah du coup ils écoutent, ça reste une vulnérabilité et donc une faille exploitable. Sauf que bah voilà, aucun système n'est parfait. Un autre exemple que je trouve assez sympa, c'est les lampes à lave. Bon alors, bah désolé à tous les 2000 qui regardent mes vidéos, peut-être que ça va pas vous parler beaucoup, mais sinon on a tous une lampe comme ça dans notre chambre quand on était plus jeune. Le mouvement de la cire dans la lampe, et oui parce que c'est de la cire à l'intérieur, on n'arrête jamais d'apprendre, sont imprédictibles car ils dépendent d'énormément de choses que l'on ne connaît pas. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle Claude Flair, un des plus gros acteurs dans le monde de l'infrastructure web, utilise un mur composé de 100 lampes à lave filmées par des caméras afin de générer des nombres qui serviront de site pour la génération des clés de chiffrement. Bref, contrairement à ce que l'on pourrait penser, bah générer des nombres vraiment aléatoires n'est clairement pas si facile que ça. En tout cas, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec le joli pouce bleu de l'amour en dessous de cette vidéo et à venir faire un tour sur Twitter et Instagram, les réseaux sur lesquels je suis plus actif. Vous pouvez aussi partager cette vidéo à tous vos potes qui pensent que, bah, que lorsque vous lancez un dé de ce style, c'est vraiment aléatoire, parce que finalement, bah, peut-être qu'ils truquent absolument tout leur lancer lorsqu'ils jouent au Monopoly. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut !